avevo fatto un sistema che non capava per passare alla predicazione dei motivi, per passare à l'œuvre missionnaire che non capava soutenir les institutions partenaires, les institutions d'encadrement, les institutions qui avaient été nous prêcher l'évangile d'une manière ou d'une autre. Et puis, dans la soirée, nous avons gagné un autre groupe d'action de grâce pour remercier le Seigneur pour nos enfants nés en 1996. C'est-à-dire, ces enfants, cette année, nous rentrons dans la 18e année. On va dépendre du moment en général du papa, si vous pouvez dire, mais en principe, 18 ans de ça, je vais t'aider en couchette. Et maintenant, 18 ans après, je viens de jeunes hommes, je viens de jeunes gens en général. Amen. Nous avons réuni pour nous capables de dire le Seigneur merci pour vous sur le thème je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Donc, nous faisons activité ça, c'est pour nous capables d'encourager par la yo à l'action des grâces, mais aussi encourager les jeunes à l'action des grâces. C'est ça qui fait que dans le service 9h, 3e dimanche, nous avons une présentation des bébés au Seigneur, et puis dans la soirée, nous avons une présentation de ces jeunes qui avaient 18 ans de ça, étaient en couchette, et maintenant 18 ans après, nous avons contemplé la grâce de Dieu dans la vie. Donc c'est l'activité Sayo que nous avons gagné pour ce maintenant vrai Maxonio. Et puis, comme nous l'applaudissons, le nom de toute activité de nous, nous devons prendre une passion par anticipation, j'en peux nous faire le matin, et nous remercier le Seigneur, nous remercier chaque fidèle de l'Église, de comprendre et annoncer que nous parlons et entendre. Nous voulons rappeler que pour ce qui est présentation bébé au Seigneur, dimanche de feu, nous invitons les parents, pour que nous soyons capables d'inscrire et de nous, et nous capables de faire ça, et à marcher avec acte du mariage, avec les copies de mariage, ils ont pièce pour identifier nous, mais aussi, ils ont venu avec acte original et bébé, ils ont présenté la présence des deux parents au secrétariat de l'église, l'important, et pour ça, s'il vous plaît. Il a annoncé aussi que l'école du dimanche, il rappelait à Moniteur et Monitrition que soirée Moniteur, c'est le 29 mars à 6h du soir. Et Moniteur a besoin de remplir toute la formalité de participation à cette activité. Puis on va notamment inviter une invitation spéciale pour l'église d'habitude dans le cadre et activité qui marque le deuxième anniversaire et Paul Pasteur Allah, Père Golgotha, invitez-nous pour nous capables de louer le Seigneur dans notre culte spécial que l'on fait 4e dimanche de mars à 4h30 sous le thème Le secret de la réussite de tout ministère chrétien, Acte chapitre 2, verset 42. Nous voulons rappeler que nous gagnons plusieurs fêtes de moissons dans nos congrégations locales. Et pour matin, c'est une congrégation Grand Bois qui a fait des fêtes de moissons. Et dimanche de veille, congrégation Bonne Marche, a fait une fête de moissons. 4e dimanche, si Dieu veut, Martelly et Damien avaient activité de moissons. Et 5e dimanche, c'est Carrefour-Feuille et Tiffrené qui a fait gagner fête de moissons. Nous allons continuer de prier pour nos malades. Et dans ce sens-là, nous voulons rappeler que matin, si on est en malaise, dans tout ça, c'est le docteur Lindor Saint-Jean et Amélie Aliette chez enfant comme infirmière que nous avons gagné pour l'urgence église il y a 2h, c'est docteur Marc-Alexandre Derville et
Pépinières et Nadège Nelson, qui connaissent qui a été assuré une chance pour nous dans la faculté des arts. La direction du collège vous-même a voté à connaissance pour le TPCO et l'inscription pour l'année académique 2014-2015. Mais vous commencez à recevoir dans le secrétariat d'institution SAR. Et il nous a prévenu que qu'est-ce que vous pouvez là, c'est sponsor officiel de Dieu. Nous allons vous connaître quelques annonces qui concernent plus. Nous avons balancé avec infiniment de peine la mort de Pierre Damien, qui vivait dans l'hôpital général mercredi 26 février à l'âge de 47 ans. Il est arrivé Damien Pierre a chanté dans l'église. Dans le funérail de Damien Pierre, a chanté dans l'église là. Demain, après-midi, il devait à 3h de l'après-midi. Et le funérail va exposer, ou bien un cadavre là, depuis 2h. De cette date, des membres de l'église ont persévéré dans la congrégation. Faubourg Salomon. Nous avons annoncé aussi avec un film de peine la mort de. Frère Lucius Michel, qui vivait votre prince de Massy, se passait là, à l'âge de 92 ans. Frère Lucius Michel, qui est un chrétien fervent, c'est ancien prédicateur de l'église baptiste de Grand-Bois, on verra faire ça, et on va nous dire, ok, ça va, allez, on se met à lui. Donc, c'est. Les funérailles en fait mardi matin se levaient à 7h30 du matin et cadavre à plat depuis 6h30. Comme on dit nous, des frères de membres de l'église baptiste de Grand-Bois et prédicateurs et itinérants dans cette congrégation. Nous demandons à. Ce sont les mêmes frères de la Saint-Église, les annonces provisoires de l'Église. Pendant que je m'avais rappelé à la congrégation qui est dans la zone métropolitaine, c'est pour faire des efforts pour que, depuis jeudi, nous avons annoncé à Zanio que nous avons que nous tous participer dans l'activité. Donc, nous demandons, s'il vous plaît, de faire une suggestion, ça, ma part du temps, après-midi, mais nous avons des congrégations qui sont créées, mais permettre que, il n'y a pas un culte même pour permettre à ces bien-aimés de participer dans une célébration d'activité que nous avons bien là, parce que vraiment nous avons compris l'activité missionnaire à travers la prédication qui a faite. Et nous, comme nous avons annoncé, il y a 3 missionnaires qui ont rentré pour prêcher pour nous et ils ont accompagné des solistes qui doivent prêcher chaque soir. Et donc, à ça, nous avons à. Nous, mes amis, que vous avez invité déjà, nous avons demandé sur Esther, à une carte et sur Sonia pour que vous soyez capable de nous avant l'activité Sayo, mardi et si Dieu veut. Ce sont là, comme on dit, les annonces provisoires de l'Église, mais l'annonce définitive, c'est que Jésus-Christ reviendra. Et comme tel, il s'agit de faire, nous avons besoin de continuer à jouir, double portion de grâce qui dit ça. Double portion de grâce, je dis quoi? Grâce. Et maintenant, nous sommes capables de continuer à prêcher l'évangile de Jésus-Christ, car la prédication de l'évangile, c'est une nécessité pour l'Église. Et dans ce cas, nous pouvons dire ensemble, Maranatha, Christ revient, par Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et maintenant, frère Maxime, avant que nous coupions la prédication du jour, je vous rappelle qu'après la prédication du jour, la chorale harmonie des élus va
et pour être capable d'exécuter dernier numéro libre et profiter de cette occasion encore une fois pour continuer à encourager Corala, car nous connaissons que c'est un électoral qui exerce dans une condition de plus difficile. Maintenant, on va regarder que, ben, on va prendre un joignot là, on va prendre un là. Mais c'est la grâce, c'est ça qui a fait tout le signe. Donc, on dit qu'on est bien pour être fortifié. Donc, il y a bien pour chanter pour nous. Mais le prédicateur de ce matin, c'est le pasteur Jeannot Julien, originaire de Présence, et Freddy avait dirigé l'église baptiste de Pilate, c'est ancien pasteur de l'église baptiste Sion, de Saint-Michel de la Talaye, que le pasteur Abraham Lupin avait dirigé dans le temps, et c'est membre du conseil d'administration de la société biblique haïtienne. On est disposé pour nous capables d'écouter la prédication du jour. Et dans ce sens-là, nous invitons toute assemblée avec auditeurs, quel que soit côté que vous vouliez, préparez-nous et nous avons chanté le cantique d'évangélisation. Béni chaque monde qui peut pécher, préserver la miséricorde, dit il va pas où la paix, la météo en ordre. Bénis-nous avec nous, qui prenez dans la gloire pour habiter. Là, tous les jours, côté tout le monde, en joie, seulement toi, et seulement toi, la sauver. Moi, évidemment, j'ai donné le mouvement, Maxime. Donc, à la chanter, quand c'est ça, j'ai donné le numéro 44, en espérant, c'est le numéro. Thank you.